Aujourd'hui, nous sommes sur le Pays de Redon pour une visite d'une exploitation laitière, une très belle exploitation laitière avec deux jeunes qui se sont installés il y a déjà quelques années et qui développent une agriculture comme on aime, une agriculture avec des vaches qui vont paître dans les champs plus de 250 jours par an, avec des hommes et des femmes qui travaillent sur cette exploitation, avec un modèle qu'ils ont choisi, un modèle qui s'adapte à leur qualité de vie à eux, à ce qu'ils ont choisi comme qualité de vie. Sur l'installation à partir de janvier prochain, les régions vont devoir, avec vous, penser à ça. Comment on accompagne un jeune qui veut s'installer, comment on l'oriente, comment on l'accompagne pour être sûr qu'il ne se mette pas dans un cul-de-sac pour dans 3 ans. L'occasion pour moi de présenter à la présidente d'Occitanie, Carole Delgave, les systèmes agricoles bretons. Ces systèmes agricoles bretons qui participent à la souveraineté alimentaire, qui s'appuient sur des typicités de territoire, puisque chaque région de France est différente, chaque région de France a son agriculture, et c'est un vrai plaisir aujourd'hui de recevoir Carole Delgave pour lui présenter cela. Ce qu'on veut aussi, c'est que cette agriculture, elle puisse générer un revenu décent. C'est un sujet que nous travaillons quand même beaucoup sur la question de la rémunération pour nos agriculteurs. Et c'est cela l'agriculture de demain, c'est une agriculture qui nourrit ses agriculteurs, c'est indispensable pour qu'ils vivent de leur travail, et une agriculture qui nourrit les hommes et les femmes en prenant soin de ce territoire qu'on aime tant, la Bretagne.